Et bonsoir tout le monde, coucou, salut à toi Mickaël, salut à toi Emrine VS, bonsoir, salut à toi Jérémy aussi, qui relance une partie satisfactoire de 0 mais avec quelques facilités. Ben, bonne game à toi Jérémy, bonne game à toi, salut tout le monde, je pense qu'elle va durer longtemps si je me retiendrai sur le penchant sur du beau. Mais oui, il faut faire du beau, c'est toujours plaisant de faire du beau. On se retrouve et salut Gadog, bonsoir. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. J'ai fait quelques petits trucs en votre absence. J'ai un peu amélioré quelques petits trucs. Je vais vous montrer. Hop, si je viens ici, vous voyez que j'ai mis les hypertubes ici, hein. Mais si on regarde, il nous reste les infrastructures électriques étendues. C'est ce qu'on va débloquer tout de suite pour pouvoir faire des pylônes électriques. Parce qu'on va terminer ce soir, je pense, la partie fonctionnelle de l'usine. Je pense pas qu'on va finir... je sais pas si on va finir la partie belle, mais on va essayer d'avancer un maximum. Du coup, on va choisir cette étape. Et normalement, là-dedans, j'ai tout ce qu'il faut. Et oui, parce que j'ai prévu. Hop. Et là, attention. Boum. Milestone reached. After several pioneers started exhibiting traumatic responses to power blackouts, Fixit developed mitigation tools recommended coup, là, by your local therapist. Les infrastructures, power storages can hold excess power to delay or prevent blackouts ici, voilà. In the eventuality that your factory's power pylone consumption électrique. Exceeds production. To simplify, these are rechargeable batteries. Power towers carry power lines for significantly greater distances than poles, facilitating factory expansion and exploitation of this environment for the good of Fixit and humanity. Voilà. Ah ouais, c'est quand même grand. Ah oui. Excusez-nous en fait. Ah, ça va être cool ça pour transporter l'électricité, ça va être top. En tyrolienne, ouais, je sais qu'on peut faire de la tyrolienne, donc pour se déplacer, ça va être cool aussi. Même si, bon, il faut que ce soit en descente, en montée, on pourra pas, mais bon. Ah ouais, même pour monter, ça marche. Ah ouais, ok, d'accord, c'est cheaté. Ici, j'ai rajouté un truc temporaire pour l'instant, pour crafter, en fait, tout ce qu'il y a en haut à droite de l'écran. Que vous ne voyez pas parce que j'ai ma caméra qui gêne. Je vais enlever ma cam. En haut à droite, vous voyez que je vais avoir besoin de... attendez, comment est-ce que je peux vous montrer? Voilà. Ici, j'ai 1000 de ça, 1000 de ça et 100 de ça. Ça se fait tout là-dedans. J'aurai de quoi faire. J'aurai de quoi les faire, mais j'ai rajouté un truc. Du projet assemblage exactement. Et si je vais là, ah c'est pas ici. C'est juste oh oui c'est vrai qu'ici j'étais en train de trafiquer un truc. Faut que je finisse mais du coup là j'ai rajouté un convoyeur belt ici. Il vient là derrière
Donc qui vient alimenter en plaques de fer renforcées et en vis. Très important. Pour faire les cadres modulaires. Donc j'ai autocrafté le cadre modulaire. Là, vous voyez, on en a quand même pas mal. Je vais remettre ma cam. Parce qu'on va en avoir besoin de pas mal pour augmenter notre ascenseur orbital. Donc voilà où on en est. J'ai aussi fait ça là. Ça va nous permettre de faire des blueprints pour par exemple, on fait un truc ici, on va pouvoir faire un blueprint comme pour par exemple un pylône. Donc ça sera sous forme comme ça. Et ça va être top parce que bah, on va pouvoir tout paramétrer d'avance. Par exemple, le pylône avec la plateforme. Je vais faire une fondation, peut-être pas de 4 mètres, peut-être 1 mètre, ça suffit. Ah oui, oui, ça c'est prévu, mais pas ici en fait. C'est prévu, t'inquiète pas. Ok, alors est-ce que maintenant le pylône... Là, il me paraît au centre. Hein. Ou est-ce que si on les pose... Imaginons, on le pose comme ça. Ouais, ça l'évite, c'est un peu chiant. Je pense que ça va dépendre des endroits. Enfin bref, du coup... On va pouvoir débloquer le deuxième truc aussi, donc les hypertubes. Tac, j'ai tout ici normalement. Et bim! Donc nous avons terminé tout ce qui était possible. Donc nous avons les hypertubes maintenant. By adding hypertube entrances at both ends of hypertubes, pioneers can achieve two-way travel between locations. They are also error percent safer than jump pads. You dreamed of moving across factories like valued resources, such as rocks and water, and Fixit listened to your dreams. We watched them. We took extensive notes. Hypertubes. Because Fixit makes pioneers' closely monitored dreams come true. Ok. On va retourner, du coup, tout prendre. On va retourner à la... On va retourner à l'usine à... Quoique, attendez. Attendez, on va laisser ici tout ce qui est inutile. Par exemple, ça, je voulais m'acheter un truc. C'était quoi déjà? C'était les demi-fondations. Ouais. Hop là. Parfait, donc là, dans les fondations, on a les demi-fondations. Ah ouais. Là, du coup, on peut prendre... Là-dedans, il y a quoi? Ok... Paf, tac, 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 tac. On met tout ce qui est issu d'un craft.
Genre ça on peut laisser là, ça on peut laisser là. Ça on peut laisser là, ça on peut laisser là. Ah, du mycélium, j'en ai en fait. Le mam. Analyse le disque dur, oui, faudrait que je fasse ça, oui. T'as raison. The mycelial networks of these fungi possess unusually resilient hyphae, which show potential for making a strong but lightweight natural fabric. Additionally, it has similar medicinal and pest control applications to mycelia on Earth. Nouveau produit à la boutique. Faudrait que je fasse du verre aussi. Le silice, ouais, c'est ça que je dois avoir pour en avoir maintenant là. Mais il faut que je regarde. Ok, on va aller chercher du coup quelques plaques. Parce qu'en vrai, j'en ai pas tant que ça. Ça, j'en ai pas assez, je trouve. On va en prendre allez, encore un stack, voilà. Ici, les plaques, ça, on va se gaver. Ok, ça, on va juste compléter, voilà. C'est tout là, je pense on est bien. Faut qu'on aille chercher du béton, mais... Je peux débloquer le cloud, oui, je peux. Oui, oui. Mais... J'ai pas encore débloqué... Enfin, j'ai pas encore fait en sorte que... Oui, je l'ai déjà... Il est visible, en fait. C'est juste que... Je sais pas encore... où est-ce que je vais mettre ça. Un emeu pur à côté de ta base. Un emeu ici ? Le emeu, ça permet quoi déjà ? Je m'en rappelle plus. Au sud. Bon, ça, je peux regarder sur Satisfactory Calculator. Ah, la source extérieure c'est basé sur ça, ok. Mais je pense que la priorité là, ça va être le silice. Yolo.
Tu y fais quoi dans le cratère? Alors dans ce cratère là, j'y fais de l'acier. Là où je suis, c'est de l'acier. C'était aussi le début de ma production charbon. Ça, c'est ce qui alimente pour l'instant toute ma base, toutes mes bases différentes. Ici, c'est pour l'acier. D'ailleurs, tout est plein. Mais ici, ouais, c'est l'acier. Après, on aura des hypertubes un peu pour aller partout. Hein. Je me demande pourquoi là vous voyez j'ai la coal factory et il apparaît pas dans mon radar en haut là, je sais pas pourquoi. Dans les réglages, je ne l'ai pas apporté. Ah. Ok, je savais pas que tu avais ça. Ah, d'accord. Bah, tu m'as appris un truc. Merci beaucoup, Jérémy. Lui, je crois qu'on l'a déjà récup. Pas sûr, on va juste regarder. C'est beau de tomber sur un... De tomber sur un... Sur un truc où... Où tu trouves les... Sur un... Un disque dur où tu trouves de quoi le réparer par terre, quoi. Ça, c'est bien. C'est top. On devrait tous être comme ça. Ça se voit, t'es un vrai joueur, toi. T'as toutes les petites astuces. C'est pas con de faire ça. Je ferai ça pour les prochains. Allez. Super, j'ai coulé mon véhicule. Comment est-ce que je peux le découler ? Comment on fait pour le découler? Parce que là on arrive à le traverser. On traverse. Pas mal. Eh ouais, mais je sais. Les 600 heures de jeu. Et tous les succès sur Steam. Ils sont longs à faire les succès. Bon, moi je me suis pas encore forcément concentré dessus. Hein.
Ok, nous y sommes, chat. Oh. Incassable, ces trucs. Ils se font jouer. Sauf un qui est de monter à la hauteur maximale. Ok. Ça va alors. Ok, donc on va commencer par ici. Ici, j'ai aussi fait quelques petits trucs, vous allez voir. Bon, déjà, j'ai complètement oublié de relier ça. Voilà. Ok, donc là, j'ai rajouté ça. Voilà, une petite plateforme. On va jamais passer par là, honnêtement. Mais c'est juste pour faire beau. Donc, voilà. J'ai rajouté ça. Et c'est tout. Donc, ce qu'on va faire... c'est de continuer la déco. Donc là maintenant ça va être recherche d'idées pour la façade. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais ouvrir une page Pinterest. Hop, voilà. Et on va chercher de l'inspiration ensemble. Voilà. On va chercher de l'inspiration ensemble. Donc on met quoi? On met factory. Qu'est-ce qu'on fait comme factory? On pourrait s'amuser à faire un truc un peu comme ça. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi je trouve ça c'est une belle image. Et en plus, les cheminées elles seront ici on va dire. Du coup elles vont dépasser du bâtiment. Donc ça peut être sympa. Hein. Justement, si les cheminées dépassent du build, c'est pas grave. Justement, ça va faire des cheminées, ça va rajouter du RP en fait. Donc moi, ça me dérange pas forcément que... Du coup, on va déjà faire la façade. Attendez. Cette image, je vais l'ouvrir dans un nouvel onglet. Et juste avant, j'avais vu une autre image. Voilà. L'image que j'avais vue. Un petit truc comme ça, ça peut être pas mal. Donc ça j'aime bien. Donc ça sera l'avant de notre ferme. Donc nous ce qu'on va faire là, c'est qu'on va déjà commencer par faire la façade.
Ok. Je visualise. Ok, donc là c'est la hauteur. Customiseur, matériaux, fondation en béton. Voilà. Nickel. Donc là on peut monter, c'est parfait. Béton. Voilà. Maintenant, les murs. Déjà, on va mettre des murs basiques. Donc, bien sûr, ici, on en a une. Mais nous, ce qu'on va faire, c'est un déplacement. Donc, H. Hop, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 peut-être. Ça comme porte d'entrée, je trouve ça pas mal. Ah, on n'a pas les murs. Ah merde, on n'a pas les murs pour les convoyeurs pour l'instant. Ah, c'est dommage ça. Moi je trouve que là on est plutôt pas mal. Ouais, je savais, mais j'ai pas encore setup. Faudrait que je setup ce truc. J'utilise pas encore, j'utilise pas assez les molettes en fait. Gain de temps. Ah oui, clairement. Faut que je le mette en place. Ouais, c'est juste que là, le petit souci, c'est que... Attends, c'est où? C'est dans spécial, boutique awesome. J'ai pas assez de... Pas assez de vis. Et
je regarde le prix de ce que je veux. Ça coûte 5. Je suis pas prêt de les avoir. Bon. Regarde la première page, la statine Wador. Pour moi, ça a été le plus long. Ah, tu parles de ce machin là. Tu parles de ça là. Ouais, 10, ouais, chariot d'usine, ça me. Ça sert vraiment à quelque chose? Ou pas? Ah, c'est pas ça? La statue! Et comment tu fais pour l'avoir? Ah, j'avais pas vu! Oh putain! 1000. Ok, d'accord. Ça c'est quoi les boombox? Ah c'est... Oh tu peux jouer de la musique. C'est un peu le jukebox de... Ah stylé. Ok. Stylé tout ça. Donc pour l'instant ça change rien. On va... Ça gêne pas, ça va être moche un petit moment, mais après quand on aura ce qu'il faut on pourra discuter. Ok, donc là on va tout passer en béton. Merde. Ok, customiseur. C'est vrai que j'aurais pu directement poser des murs. Entièrement raison. Ok. Là, on va mettre des murs, attends.
Ah, mais c'est pas la même texture. C'est pas du tout la même texture. Ça c'est parce que je me complique la vie. On va arrêter de se compliquer la vie. Hop, voilà. On va mettre que des murs. Je voulais faire une entrée un peu spéciale, un peu ouverte, mais... ça sert à rien. Ok, pour l'instant tout est de la même couleur, mais vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Ce que je suis censé faire là. Comment est-ce que je suis censé faire là? Comment j'ai fait là pour faire ça? Bon, on a juste à continuer comme ça au pire. Voilà. Ok. Et là, on peut mettre des grands piliers. Un peu trop massif. Petit pilier. Je pense que ça suffit. Ok. On n'a pas des demi-murs. C'est dommage. Ouais, ça j'aime bien utiliser, mais ça dépend pourquoi. Mais ça m'arrive d'utiliser ça.
Ah, ça, ça peut bien marcher en vrai. Tac. De plus loin de profondeur en plus. Comment est-ce que je vais faire? On va faire ça comme ça. Deux mètres. Ok, parfait. Comment je vais faire là? Faut vraiment que je mette des demi-fondations là. Ça, on peut le mettre en noir. Hein. Merde, j'ai oublié de mettre les matériaux.
donc là maintenant. Zoop. Moi je pense que monter jusque là, c'est suffisant. Tac, on monte encore de 2. Ok. Je pense que là on est déjà même un peu trop haut, mais bon. Et toi aussi. Ok, c'est pas mal là. Même pour ça, on n'est pas bon. Faudrait qu'on débloque des trucs dans le... dans la boutique Awesome. Dans les murs, il faudrait qu'on débloque ça. Mais ça coûte 4 encore. Putain, ça va me ruiner cette histoire. Parce que là, il faut que je paye 4 pour ça. Mais... après, il va falloir que je paye aussi pour les murs inclinés. Je vous laisse. Bonne soirée, les gens. Et bah, bonne soirée à toi, Emeryn US. Merci beaucoup à toi d'être passé. Puis à dimanche, 21h, pour un nouveau live. Putain, je désespère. Et ça, c'est 5. Quand tu pars comme ça pour travailler loin... tu prends tout ce que tu formes, tu mets au broyeur. Mais pourquoi? Moi j'ai un broyeur qui tourne déjà. Jusqu'à chaque fois.
Est-ce que par hasard, je peux pas... Ok, là on est pas mal. Des astuces comme le conseil de faire des décathlons dans les ESDs, ça peut être... Quand tu croises des disques, tu peux tout, tu prends tout et tu mets au broyeur. Comment ça? Quand je vois, je regarde tout ce qu'il y a par terre et puis... Je prends tout ce qu'il y a par terre et je mets au broyeur. Mais au broyeur, j'ai connecté une... Oh shit. Putain, mais comment je fais? Les points sont exponentiels, tu en mets moins, ça rapporte. Ouais, bah oui, c'est pour ça que c'est long. Donc faut commencer par broyer des items endgame. Michael, tu t'amuses avec Wizbot. Comment je pourrais placer ça là-dessous, là? Pas possible. Comment je suis censé faire là? Est-ce que je suis censé faire comme de ce côté? Ah, mais attendez. I'm a fucking genius. Tic, tic. Allez, fais en sorte. Ah. Plus qu'un quoi. On a réussi, c'est bon.
Ok, on a réussi. Faut juste que je trouve... Bouge là avec H. Oui, c'est ce que j'ai fait. Ok, on prend ça. Ça va être pas mal, je pense. On va pouvoir enlever peut-être ça. Là, imaginons qu'il y aura des fenêtres hein, où je laisse vide. Hein. Bon, on va déjà dégager ça.
pense que pour commencer, je peux mettre déjà. Ok, donc là on est tout en haut. Mur d'un mètre. Ça c'est juste pour voir ce que ça donnerait. C'est pas mal. Moi, je trouve ça plutôt pas mal comme inclinaison. Du coup, ça, c'est pas la façon la plus belle de le faire, quoi.
seul truc, c'est que... Est-ce que là ça rentre bien? Je passerai plus tard, bisous. Ben, à tout à l'heure, Jérémy, merci beaucoup à toi d'être déjà passé, puis à toutes. Là. Tac. Tac. Ok, on est bon. Et bim, voilà, let's go.
Et ça, ça dégage. Et bim. Tac. C'est pas mal ça. Ok, on est bon. Oh, et salut à toi, Rubilis. Bonjour, je m'appelle Ruby, en fait. Je ne peux ni entendre ni parler depuis le sud. Oula, Rubilis, ça va être compliqué. Voilà, allez, hop, on lui dit ça, comme ça, on est bon. On sait jamais, hein, peut-être c'est un gars honnête, hein. On sait jamais. Mais bon, sinon, à part ça, je trouve que ça rend plutôt bien. On dirait un peu une église, mais bon. Moi, j'aime bien. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais moi, je trouve ça potable. Moi, je pense que du coup, je vais aller faire ma petite pause.
Voilà, donc moi je pense que je vais vous laisser là pour aller faire ma pause. Donc n'hésitez pas à aller vous chercher un petit truc à boire, un petit truc à manger si jamais vous avez faim et que vous cherchez un moment pour aller le chercher. C'est le moment. Donc moi je vous souhaite une bonne pause. A tout à l'heure tout le monde.
RE. Bon, il me faudrait du silice. Donc on va aller voir sur Satisfactory Calculator. Hop, on va sur la map. Ok, donc moi je suis là. Là, il y a du K-Ethereum. Comment est-ce qu'on trouve le silice? C'est le K-Ethereum? Quartz. Mais là, je le trouve pas, le quartz. Nous, on est ici. Comment est-ce qu'on fait pour avoir une prod décente, quoi? Ah, parce que... Ah, parce que le quartz, il n'y a pas de... D'accord. Ok, donc là... C'est geyser, ok. Le copper, l'iron. Le quartz, il y en a un là. Ouais, le rose, il est là. On en a un là. Sinon, est-ce qu'on en a un qui est plus proche? Là, c'est que de l'iron. Ouais. T'en as plus près de ta base. La base, elle est là, c'est-à-dire qu'il y en a un là. Un normal. Mais vu que à terme, on va s'installer par ici. Bon, après là, ça fait loin quand même. Là, ça fait loin. Peut-être qu'il... Ah, ici, on en a deux. Ah, ça, c'est intéressant. Là, on en a deux. Eh ben, pourquoi pas. Le cercle d'eau à droite. En bas à droite. Ah ouais, ici. Mais après, là... c'est où que j'avais vu? Ici. On en a deux. Ça peut faire une grosse prod, hein. Ouais. Ah. Ah ouais, ok. Ok, j'ai compris. Ouais, bah pourquoi pas s'installer ça prochain live. Parce que là, on a clairement pas le temps. Hein. Là, on va continuer la déco de ça, là. Quoique, on peut pas faire plus que ça. Hein. Parce que là, je suis bloqué, on a plus de...
Ah shit. Ok, là on est bon. Là on va peut-être pouvoir le faire sur tout le long. On a encore du béton. On n'en a plus vraiment. Parce que là, on n'en aurait pas. On en a 500, ça va pas suffire. Ça. On va le mettre aussi tout long, mais avant. Ok, là on est bon. Tu fais quoi là? Ok, parfait. Et là, du coup, on va mettre. On va mettre un pylône comme ça à chaque fois au milieu. Donc en fait, hop.
Et oui, nous, ce qu'on veut là, c'est mettre. M'embrouille dans mes touches. Tac. Ça, on va le mettre tout le long. Ok, maintenant on prend. Ça, ça va être supprimé après. Hein. Et ça, du coup, on va les refaire aussi. Donc, c'est pas grave, on va... Hop. Voilà, on va se mettre bien au milieu. Il n'y a pas forcément besoin. Ok. Ok, on est bon.
Il y a le chat qui miaule. J'arrive, le chat. Ok, nickel. Ok, parfait, là on fait la même chose, tac. Ah, manque de béton. Bon bah j'ai plus de béton. Ah merde, j'ai pas coloré les... Bon, c'est pas grave. Comment est-ce que je vais faire ? Bah c'est bon. Ok, j'ai trouvé la solution à mon problème. Donc maintenant on peut le faire sans aucun souci. Okay.
Ok. Pas quel était le problème, mais bon, ok. Ok. Et ben, on est plutôt pas mal là. Si je vais dans le customiseur. Et que là, je m'amuse. Simple maintenant que j'ai compris la mécanique. Ah, par contre One Piece. Pour la fin du live, ça va être beau. Ok. Imaginez des fenêtres ici, hein, bien sûr. Voilà. Faudrait juste peut-être que...
Nickel, magnifique. On va aller voir ce que ça rend de loin. On va profiter pour faire un petit screen. Voilà, ça prend forme. Attendez, on va prendre une photo. On va zoomer. Bon ben pour un début c'est plutôt pas mal hein. Parce que vous en sens, je sais pas ce que vous en pensez chat, mais voilà, vous avez au moins une idée générale de l'usine avec les cheminées qui vont toutes dépasser du toit. Le toit il sera penché, il y aura peut-être des petites lucarnes de temps en temps, enfin des comme des chiens assis un peu de temps en temps, mais moi je trouve que c'est plutôt pas mal. Moi j'aime bien en tout cas. Ça prend forme comme dit. Ouais, ça prend gentiment forme. Et on débloquera des trucs pour le prochain stream. On débloquera des ouvertures pour les convoyeurs, etc. Quitte à faire rentrer par un autre endroit, peut-être sur le côté, faire rentrer les objets. Je sais pas si vous allez voir quelque chose, mais à la place de les faire rentrer par la face avant, je les fais dévier ici et paf dedans. Comme ça ici, on peut mettre des trucs à convoyeur propre. On verra. Donc ouais, moi j'aime plutôt bien ce qu'on produit là. Manque des fenêtres, ouais, il manque les fenêtres justement, et puis aussi. Toutes les lights, mais là je vous avoue qu'il faut qu'on économise pour acheter encore quelques petits trucs qui nous sont un peu indispensables, mais ça prend forme gentiment. Donc merci beaucoup à tous, moi je vous souhaite une excellente soirée, une excellente nuit. On se retrouvera dimanche vers 18-19h pour un nouveau live. Merci beaucoup à tous. Les lights utilisent les panneaux d'affichage. Ouais, c'est exactement ça que je comptais utiliser, Jérémy. Mais pour ça, il faut que j'aille chercher de la silice. Enfin, du quartz. Ça, ce sera la première chose qu'on fera pendant le live de dimanche. Ça allait automatiser le quartz pour pouvoir faire les vitres. Donc voilà. Donc merci beaucoup à tous. Moi, je vous souhaite une excellente soirée. Et à dimanche pour la suite. Ciao, ciao!